Hej och välkommen till Svenska Lappland. Pendant quelques jours, une dizaine de professionnels du voyage, essentiellement des spécialistes des groupes, ont pu découvrir les charmes revigorants de la Laponie suédoise. C'est à Luleå, prononcé Luleå en suédois, que la joyeuse troupe a posé ses valises et doudounes. La ville portuaire de 75 000 habitants, située à plus de 900 km de Stockholm, s'ouvre tout juste au tourisme sous l'impulsion de Quartier Libre. Le tour opérateur lyonnais y façonne sa vision du voyage, principalement des circuits accompagnés. Et c'est sur l'invitation de Quartier Libre que les agents de voyage ont fait le plein de soleil, de neige et de souvenirs. Quelques semaines après l'historique vague de froid ayant déferlé sur l'Europe, le thermomètre est descendu quand même jusqu'à moins 33 degrés, ce qui n'a pas empêché le groupe de profiter des joies de la destination. Et un voyage en Laponie ne serait pas un voyage en Laponie sans sa traditionnelle sortie en raquette, mais surtout la mythique balade en chien de traîneau. Mais cette région de Suède n'est pas seulement une terre de sport et d'activités en tout genre, c'est aussi une terre de culture. Lors du dernier jour, le programme a accordé une large place à la culture Sami, un peuple nomade qui est le seul à pouvoir élever des rennes, mais aussi à la visite de Gamelstad. Enveloppée dans un épais manteau de neige, la ville-église, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a pu révéler tous ses charmes. L'édifice religieux n'est pas seulement un haut lieu touristique, il est aussi un témoin de l'histoire de Luleå. C'est ici que fut créée la ville au XVIIe siècle, avant de déménager pour construire un port plus profond et faciliter son essor économique. C'est aussi dans ce village et dans une jolie maison de bois que se trouve le Père Noël suédois. Attention, le vieil homme est un petit peu différent de la légende française. Il n'a pas de barbe blanche, mais bien une barbe grise, résultant de l'évolution des légendes dans cette région du monde. Et même si les enfants étaient cette fois-ci un peu grands, la magie a opéré au moment de rencontrer le vieil homme. Merci. Bon voyage à tous, et à bientôt sur Tourmag.